les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. Soyez bénis, chers téléspectateurs, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Calixte Ier. D'abord esclave chrétien, il devint, par son goût de la Sainte Écriture, archidiacre du pape Zéphirin. Devenu à son tour pape, il défendit la pureté de la foi, pardonna au nom du Seigneur ceux qui avaient renié leur foi lors de la persécution et acheva son épiscopat par le témoignage du martyr. Il est surnommé le pape de l'indulgente bonté. Il y a un certain Privatus qui souffrait beaucoup d'un ulcère. Il demanda sa guérison à Calixte qui lui dit « Si vous croyez de tout cœur en Jésus-Christ et recevez le baptême au nom de la Sainte Trinité, vous serez guéri. » Calixte nous invite à croire la puissance du baptême qui n'efface pas seulement nos péchés, mais qui peut nous guérir des maladies. Elle nous libère des souillures de l'âme et du corps. Il nous invite à revenir sur nos engagements baptismaux. Saint Calixte Ier, priez pour nous. Nous souhaitons très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Calixte. C'était votre émission Ton Saint Patron te parle. À demain, avec la grâce de Dieu. Les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur.